répondre, laissez des haches surgir de tous les pavés. Ils avaient tous pris une tâche, celle de défendre l'humanité. Et de Montmartre à Barbès, ils s'en allaient cœur léger. Bonnes gens, la voix de Jaurès vous dit, lisez l'humanité. Bonnes gens, la voix de Jaurès vous dit, lisez l'humanité. L'histoire que je veux vous dire, dire depuis 30 ans déjà, et ce n'est pas pour vous séduire que je parle de ces gens-là. Un jour d'avril, les capitalistes ont décidé, ces exploiteurs, de liquider, c'est vraiment triste, le quotidien des travailleurs. Alors de toutes les cités, mille voix ont crié, bonnes gens, pour la vérité, lisez, lisez l'humanité. Bonnes gens, pour la vérité, lisez, lisez l'humanité. L'histoire que je veux vous dire a commencé ce beau jour-là. Ils ne purent jamais détruire le drapeau du prolétariat. À 100 reprises, ils essayèrent de bâillonner notre journal. Ce fut Munich. Et puis la guerre de l'invasion fut le signal. Mais de chacun des pavés, un cri puissant est monté. Bonnes gens, pour la vérité, lisez, lisez l'humanité. Bonnes gens, pour la vérité, lisez, lisez l'humanité. L'histoire que je veux vous dire a commencé voici 5 ans. Que je veux vous dire, c'est la guerre où sont nos enfants. Elle se passe en terre étrangère, en territoire maghrébien, où sont tués tant de nos frères, tant de Français, tant d'Algériens. Dans les rues des cités, les hommes crient, écoutez, bonnes gens, vous voulez la paix, lisez, lisez l'humanité. Bonnes gens, vous voulez la paix, lisez, lisez. Je veux
les fascistes et leurs laquais. Unissons-nous, travailleurs de France. Unissons-nous pour le combat. Faisons renaître de leurs cendres la République et tous nos droits. Et dans les rues des cités, printemps, hiver, comme été, bonnes gens pour la liberté, chantez, chantez l'humanité. Chantez, chantez l'humanité.